Nous, on distribue le lundi matin des colis secs, et après des fruits et légumes, du pain, des fois des boissons, c'est suivant ce que nous recevons, notamment des déstockeurs. À savoir que les fruits et légumes, on les a à titre gracieux, mais par contre, tout ce qui est produit sec, on les achète. Ça, on les achète, voilà. Et l'idée, c'est que si l'après-midi puisse faire des bénéfices, hein, on attend vraiment que ça arrive, mais il faut le temps, il faut être patient, on n'a pas été jusqu'à là, c'est que tous les bénéfices iront directement à la bague d'entraide. C'est ce qui nous permettra par la suite d'acheter un stock suffisant pour qu'on puisse donner suffisamment aux personnes qui sont dans des situations beaucoup plus précaires. Ce sont notamment des boulangeries qui peuvent nous offrir le pain, des invendus qui sont destinés notamment à la poubelle. Ben, nous, on va les récupérer, qui sont bons, qui sont consommables. On va les stocker et ensuite on va les redistribuer, notamment le lundi lors de la distribution. On a aussi des primeurs où il y a pas mal de produits qui sont abîmés à hauteur de 50% des fois à hauteur de 70%, à hauteur de 80%, ça nous est arrivé plusieurs fois, ben on récupère ces 20%. Ces 20% sont utiles. Ces 20% vont pouvoir nourrir des familles. Ce sera le projet de vie, qui veut dire village d'initiative et d'entraide, où on va pouvoir avoir un méthaniseur, le méthaniseur qui nous permettra de fabriquer notre propre gaz, de l'engrais aussi. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. J'avais aussi oublié d'avoir une cuisine partagée, c'est important, parce que toutes les maraudes pourront venir ici à l'après-m, cuisiner ici et distribuer à nos amis de la rue. Donc ça, c'est aussi un projet qu'on veut mettre en place. Après, voilà, il faut juste des moyens financiers et d'avoir de vrais partenaires qui puissent nous aider dans cette problématique-là. Et si on n'a pas les moyens financiers, ben, on ne peut pas mener à bien nos projets qui est pour le peuple. Partage. Donc si c'est un mot, je dirais plutôt partage. Après, il y a plutôt des mots aussi qui s'émeuleraient avec ce mot-là. C'est entraide. Donc c'est comme vous êtes, vous venez.